Aou 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 Et bien, on va le faire. La première, bouillette ananas, faite avec mon ami Daniel. Ah oui, c'est vrai, c'est les... Préparation avec amour. Ah ouais, carrément. Regarde le chien, il lèche le poisson. C'est pareil que Daniel. Oh, elle a abîmé, t'as vu les roues. Putain. Où sont ? Beau petit poisson. Amis pêcheurs, chers abonnés, bonjour. Voilà, nous sommes donc arrivés il y a quelques heures là maintenant sur le domaine du Narvik, donc midi jusqu'à midi. 24 heures pour une partie de l'équipe, 48 heures pour les autres copains, et moi d'ailleurs. On enregistre déjà 3 départs, bon, une carpe qui malheureusement s'est tanquée dans les branches, qu'on n'a pas pu récupérer. Et donc ici c'est soldé par une casse, et 2 belles miroirs de 8 kg pour une et l'autre on l'a pas posé, mais sensiblement 7-8 kg également, qui ont été sortis toutes les deux à l'ananas, hein, bouillette ananas maison, voilà, qui continue de faire ses preuves, quoi, hein. Et le troisième départ d'ailleurs avait été enregistré avec une bouillette pêche saumon, voilà, c'est bien ça. Donc on est parti pour un bon moment là, j'espère. Le campement est installé, en train de finir de s'installer là. On a mangé, les lignes sont toutes à l'eau. Voilà, on espère enregistrer un maximum de départs pour la fin d'après-midi, la soirée et la nuit à venir. Bouillette de vieille de 20 ans, monsieur ? Non, ananas. Ananas. Donc il faut retenir la leçon du jour. Les bouillettes ananas et pêche saumon sont favorites. C'est bon. C'était Ultimate Carp Warrior Team en direct du Narvik. Ah ouais. Bonsoir. Bon, il est 2h16 du matin, on enchaîne quelques départs là, mais c'est pas forcément concluant, quoi. Casse, fausse touche, enfin un peu compliqué là. Pour le moment on ne dort pas beaucoup, mais ça ne se traduit pas forcément par des poissons, quoi. Espérons que la nuit, le reste de la nuit soit un peu meilleur. Quitte à dormir, sinon autant dormir un peu plutôt que
que d'enchaîner des faux événements comme ça. On va voir, à suivre. Bon, et puis, il n'arrête pas de pleuvoir, quoi, en plus, depuis la fin d'après-midi, là, on est sous une pluie incessante, ça aussi, c'est assez compliqué. On va faire avec. Ultimate Kart Warrior Team, deuxième jour. Bon ben voilà, chers abonnés, amis pêcheurs, on va rester là pour cette fois. Il est 8h30 environ, on a en principe encore le droit de pêcher jusque midi. Là bon, c'est des conditions, c'est vraiment épouvantable depuis hier. Le fait d'avoir dû changer des temps, ça c'était quelque chose qu'on n'aurait pas dû accepter, je pense. Il aurait mieux valu renoncer, on se retrouve sur un étang qui ne nous convient pas du tout. On est vraiment très très exposé au vent, à la pluie. On a la route, la grande route là derrière qui, avec le bruit de la circulation incessant, enfin c'est vraiment pas le bon plan. On n'a pas enregistré un seul départ cette nuit. Donc voilà, c'est décidé, on en reste là. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Amis pêcheurs, bonjour, ça y est, nous voilà réunis donc au Narvik, une bonne partie de l'équipe. Ça a commencé assez bien avec un poisson de 8 kg là, pour ma part. Et puis Léa qui s'est fait tanker dans les branches, bon, on ne sait pas trop à l'heure qu'il est si elle va réussir à s'en sortir ou pas, quoi. Ouais, là, là. Je vais te parler. Merci James. Saint James. Il n'y a pas tardé. Putain.